Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter quelques salles du collège pour bien commencer l'année. Bah, déjà, dans la cour, on a trois plates de ping-pong comme celle-ci. On a aussi des casiers. Par exemple, les casiers bleus, c'est pour les sixièmes. Les casiers verts, c'est pour les cinquièmes. Sur un casier, on peut mettre un cadenas, comme par exemple celui-là. On a assez grand espace. On peut mettre quelques papiers ici. Sinon, on a aussi le self qui est par là-bas. Pour ceux qui sont handicapés par moment, on a des ascenseurs pour pas qu'ils montent les escaliers. Ici, on a la ferme. En haut, c'est tout ce qui est technique avec les ordi et tout. Voilà, je vous laisse aller. On va vous présenter la salle C11. Voici la salle de français où nous faisons français. Ici, c'est la bibliothèque où on l'utilise de temps en temps. Il y a beaucoup de livres. Après, sinon, on a différents travaux qui sont exposés. Il y en a ici, mais aussi ici. Voici le vidéoprojecteur. Nous l'utilisons pratiquement à chaque séance. C'est pour bien suivre le cours. Très bien. Est-ce que je voyais encore une pièce ? En ce moment, nous sommes du théâtre. Voici une petite pièce de théâtre. Dis donc, la nénée. Ouais. Viens ici, viens. Ton affaire est-elle bien réglée ? Ouais. Ta partie adverse est retirée, ne dis plus. Ouais. C'est pas la peine. L'ai-je bien roulé? Mes conseils n'étaient pas judicieux? Donc là, c'est la salle des SVT où on a cours avec Madame Madeleine le vendredi. Donc là, c'est le bureau de Madame Madeleine. Elle a plein d'affaires des SVT. Après, là, on a des ordinateurs parce que des fois, on fait des choses sur les ordinateurs. Et souvent, les cours des SVT, c'est 2 heures. Et Madame Madeleine, elle met une petite pause de 5 minutes entre les 2 heures. Bonjour. Donc aujourd'hui, je viens là pour vous présenter la salle de maths en B26. Donc en maths, on évoquera beaucoup de sujets,
Donc, il y aura la géométrie, du calcul, de la symétrie, plein de choses comme ça. Et les exercices, ils seront dans le manuel Myriad. Donc là, il y a la salle B26. Donc pour ceux qui font ILE, I love English, vous ferez des maths en anglais. Now you search the word loup in English. What? Yes, it's good. Jules, 2 points. Now you search the word table. 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 It's good. Yeah. 1 point for Tristan. I am this. Now you search the word map. Map. Yeah. Map, carte, it's good. 1 point for Henrik. Now you serve the word for gel. Gel. Are you sure? No. Yes, gel. Freeze. Freeze. Search. In your dictionary. Freeze. Gel. Freeze. Freezing. Freezing. Voilà ici en salle d'art plastique, donc en premier plan où nous voyons plusieurs sables. Donc c'est ici où nous faisons nos travaux d'art plastique. Derrière nous avons les lavabos où on lave les pinceaux. Donc à côté on a les peintures, pots où on met de l'eau, les tablettes pour faire les mélanges. À côté, on a des modèles de dessins, des techniques, avec différentes feuilles de papier ici. Au-dessus, c'est plus tout ce qui est déco, donc quand on fait des travaux en plastique. Donc il y a des rubans, des perles, de la laine. Là, c'est des travaux réalisés en quatrième. Là, c'est tout ce qui est crayon. Donc, il y a aquarelle, des feutres, des crayons de couleur ou des pots de peinture. Au-dessus, les pinceaux, les rouleaux. Là-bas, c'est Madame Jacob, notre professeure d'art plastique. Donc le mur au fond, c'est le mur pour les élèves. Donc quand ils font un dessin à la maison ou en salle d'art plastique, ils peuvent les accrocher sur le mur. Donc c'est réservé que aux élèves. Donc on a créé aussi un album, les 6e C. Donc au départ, on avait un grand texte et on l'a illustré en faisant un album. Donc on avait tous réparti des tâches dans la classe. Donc que ce soit pour faire le décor, la première couverture, la quatrième, les personnages, etc. On a tout rassemblé pour que ça fasse ce résultat. Thank you.
Alors là, nous sommes en salle de musique, donc avec les chaises comme ça. Vous demandez sûrement, c'est pour que on puisse se lever facilement pour chanter et mettre notre table quand on doit marquer les devoirs ou autre. Alors sinon, cette salle est agréable avec parce qu'il y a de la moquette au sol et il y a pas mal de jours, donc des fois on n'a pas besoin de mettre la lumière. Sinon, nous avons un tableau où on marque les devoirs. Ici, un piano où notre prof joue pour qu'on chante. Sinon, l'ordinateur où des fois elle nous montre des vidéos. Là, sinon, nous avons un... Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est pour le violon. Un archet pour un violon. Lui, il est cassé, donc on peut le regarder et tout ça. Sinon, là, il y a le gel quand on rentre parce que on est en cristal clair. Vous savez pourquoi vous êtes là? Oui, j'imagine. Pourquoi? Pour un entretien d'embauche. Ok, et vous avez fait quoi avant? J'étais éboueur. Et vous avez été viré? Oui. Pourquoi? J'ai été virée parce que j'ai brûlé une poubelle le premier jour, du coup j'ai été virée. Et vous savez faire quoi? C'est faire pas mal de trucs. Comme quoi? Cuisiner, mettre des poubelles. Plein de trucs. Et est-ce que vous savez bien cuisiner? Oui, pas mal. Je sais cuisiner pas mal de choses. Comme quoi? Des frites, des pâtes, des steaks et plein d'autres trucs. Et est-ce que ça vous dit d'entrer chez Mac Merrick? Pourquoi pas, si vous voulez bien. Du coup, vous gagnerez 1 500 € par mois et 100 € à l'heure supplémentaire. Vous avez chaque semaine vous avez un plat gratuit. Un plat gratuit? Ouais, un plat. Et des frites gratuites?
Facebook. Et je l'ai signé. Hein. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Déjà, là, on part. Léo, monsieur, c'est de 8h à 19h du lundi au vendredi. Okay. On se retrouve lundi. Ouais. Au revoir. Au revoir. Le produit Monsieur Chauve, ultra nettoyant. Le produit Monsieur Chauve, surpuissant. Nous vous excusons pour ce petit problème sur le plateau, mais nous arrivons en très grande forme pour continuer ce match en direct avec vous. On espère que cette suite vous plaira. Je peux te mettre sur Il nous reste donc une vidéo sur Harry Cooper, une exclusivité. Nous aurons ensuite une interview mystère dédiée pour vous. Puis nous finirons par une vidéo sur le harcèlement. Allez, c'est parti pour le doublage d'Harry Cooper. On espère que cette vidéo vous plaira. Vous pourrez dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. On travaille sur Harry Potter et sur notre vidéo. C'est la voie 9 3/4. Oui, pourquoi? Oh, moi je vais à l'école. Mais c'est nul l'école. Non, c'est pas vrai. Moi j'ai arrêté depuis longtemps. Moi je vais apprendre de la magie. Tu fais un tour et hop, je disparais. Salut, je peux m'asseoir, s'il te plaît? Il y a plus de place dans les autres wagons, c'est un peu rempli. Non, il y a plus de place ici. Bien sûr que si, il y en a. J'arrive. C'est quoi ces vêtements, mon bro? Bah, c'est ma grand-mère. C'est une antiquité, enfin, je veux dire, tu pourrais la vendre super cher. Qui veut des antiquités? Moi, j'en prends un sachet, ou deux. Oh, t'as de la chance. Oh, j'ai pas assez, moi. On raconte que tes parents sont morts, c'est vrai? Oh mon dieu, c'est vrai, ils sont morts? Je m'en souviens plus trop, mais oui, ils sont morts. En tout cas, j'ai vu une lumière verte et puis bah voilà. Oh, je suis désolée pour toi. T'inquiète. Salut les losers! Oh zut, je me suis trompée d'agon. Sinon, vous êtes? Moi, tu peux m'appeler le plus génial de tous les sorciers. On va rester sur les losers, ok? Je peux m'asseoir? J'ai pas le gage, ou peut-être un ou deux. Deviens beau, abracadabo. Oh, ça n'a pas marché. Et toi? Oh, pas la peine d'essayer. Moi, je suis beau. Non, pas du tout. Sinon, c'est quoi ces lunettes? Elles sont horribles, je m'en vais. Oh oui, et j'oubliais. Vous êtes tous les deux horribles, avec ou sans magie. Et toi là, t'as un bout de dentifrice sur le nez. Vous êtes arrivé à destination du Poudlard Express. Vous allez aller rejoindre votre professeur principal. Allez, allez, on se dépêche. J'ai pas que ça à faire.
avez-vous trouvé ce doublage? Est-il bien fait? Et vous, est-ce que tu l'as aimé? Ah, j'ai adoré. Et toi, comment tu l'as trouvé? Oh, c'était super bien, aucune erreur. Maintenant, pour la petite surprise, nous avons invité les deux personnes qui ont fait cette vidéo. Veuillez accueillir Maëwen et Madeline. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tu dis quand tu passes à moi. Alors, nous allons vous poser quelques questions si vous le souhaitez du public. Bonjour. Quand vous êtes rencontrés? Oh, ça remonte, il y a bien longtemps. Tellement c'était longtemps, je ne me rappelle même plus de comment nous avons présenté. Je sais. L'histoire d'amour, quoi. Monsieur, t'es okay. Oh oui, jamais. Et est-ce que c'était difficile de tourner les scènes? Oh non, pas du tout. Une vraie partie de plaisir. C'est... Ouais, bon, il y a quand même c'est juste le truc, c'était compliqué de pas rigoler pendant les... Bah, juste pendant les scènes, mais sinon, plutôt pas mal. Ouais. Qui est dans le plus Harry Potter? Moi. Très bien, pas bagarre, hein. Et qu'est-ce qui vous est venu à l'idée de faire ce petit... En fait, nous avons vu beaucoup de vidéos traînées sur le net, en fait, de doublage. Et nous sommes dit, l'après-midi, tiens, on va faire la bande-annonce du nouveau Harry Potter. Et du coup, hein, on s'est trop bien amusé. Ouais. Ok, bah... Bah super. So good. À bientôt, et merci d'être ici sur le plateau. Good night. Et surtout d'avoir répondu à nos questions. You're welcome. Super gentil, ces filles, hein. Ah oui, je les adore. Donc maintenant, nous allons passer à un sujet qui touche beaucoup de monde en France. C'est le harcèlement scolaire. Alors, on te voit la valise, elle est toute seule. Tu veux faire quoi maintenant? Quand on fait tes affaires? T'as peur de nous? Non plus.
défoncer. Oh bah pas moi, non. Mais regarde ma note, ma mère va me défoncer. Mais moi je m'en fiche, hein. Je leur montre pas. Je sais non mais quand même. J'ai eu là maintenant de pas qu'il dit. I never thought about the dude, let me give up. All the good memories are going to the end up. Finally, I had no choice but to shut up. Baby, you know I miss so much even I can sleep. I remember promising to take you on the trip. Bon, oh, c'est bon, arrêtez de m'embêter. Et puis votre pari à deux balles, je tomberai plus dedans. Hein. Maintenant, je sais qu'il faut aller voir un adulte. Je me laisserai plus faire. Maintenant, laissez-moi réviser. Let me give up. All the good memories are going to the end up. Finally, I had no choice but to shut up. Baby, you know I miss so much even I can sleep. I remember pressing through to you on the trip. It's already hard to do me out. Arrêtez de me c'est la parole. I still remember your lovely face, celebrate my birth. Les premiers semestres, Naïs. Bien. Tu dois surtout pas dire quelque chose, on te harcèle. T'es sûr? Oui, oui. Compris là, c'est un télo. Salut. Sûr, sûr. Oui. Tu peux tout me dire, Naïs. Raconte-moi, Naïs. Bah, il y a des filles qui m'harcèlent depuis cette année. D'accord. C'est qui de ces filles-là? Lisea et Victoire. Et elles te font quoi, Lisea et Victoire? Bah, elles me traitent d'intello tout le temps. Dès que je suis dans la cour, elles m'embêtent. Je ne peux rien faire sans qu'elles soient là, là derrière moi. Est-ce que tu en as parlé avec quelqu'un d'autre que moi? Non. Tu as bien fait d'en parler. Il ne faut pas rester tout seul avec cette souffrance. Je vais aller les convoquer. Bonjour. 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 Mais pourquoi on est convoqués en fait? Mais oui, je suis trop chelou. Je vous ai convoqués parce que vous avez fait du mal à une élève. Mais pas du tout. Je sais pas du tout. De quoi vous parlez? Non, on n'a pas fait. Enfin, on a fait quoi? Je vous ai vu dans la cour. Mais en fait, on a juste aidé à la femme à son casier. Parce qu'elle avait besoin d'aide, donc son cadenas, il rouillait. Donc on a... Elle avait mal à la main aussi. Je ne pense pas que vous l'aidez en fermant hyper fort le casier. Vous avez fait du mal à une élève. Elle est sanctionnée pour ça. Bonjour Naïs. Bonjour. Tu peux t'installer à côté de tes camarades. La petite Capello. Telle n'est pas la question. Je vous ai convoqué toutes les trois pour que vous régliez votre compte. Et puis vous vous rendez même pas compte du mal que vous me faites. Je peux plus aller au collège, je peux plus manger, je peux plus boire. J'en ai marre. C'est bon, j'ai tout dit. Lisea et Victoire, vous êtes renvoyés pendant 2 jours. Vous pouvez disposer. Une dernière chose. Désolée, Naïs. Et en fait, pourquoi vous avez fait ça?
Ça me servait à quoi? Parce qu'on était jalouse d'avoir des mauvaises notes par rapport à toi. Ouais, tu t'es trop fort pour nous, on est un peu... Et au lieu de t'embêter, maintenant on va travailler. Ça nous a pris une bonne leçon. Ouais. D'ailleurs, en parlant de travailler, il y a une faute à... Merci, Naïs. Ça va, Naïs? On est encore désolé. Bah ouais, désolé pour tout à l'heure quoi. Parce que c'était pas très sympa de ma part. N'est pas très intelligente des fois. Attends, des fois. Et tu révises quoi? L'SVT. On pourrait réviser avec toi s'il te plaît. Vous avez pas votre cahier? Je sais pas. Comme nous sommes pas trop des intellos, on l'a oublié chez nous. Et bah en plus de réviser avec toi, on a passé plus de temps avec toi. Si tu veux bien. Oui. Et bah si tu veux, on pourra aller au parc, enfin je sais pas, sortir, aller au cinéma, enfin faire des trucs. Comme ça on pourra repasser du temps avec toi. Ah, si tu veux bien. Je vais réfléchir parce que c'était quand même assez intense ce que vous m'avez fait. Hein? On comprend beaucoup. Bah dans ce cas on y va. Bah si t'as besoin, tu nous appelles. D'accord. Bah si tu veux, bah vas-y, viens. On a travaillé dans plusieurs classes avec plusieurs élèves et en fait on voulait sensibiliser un grand nombre de personnes contre l'harcèlement. Donc on est tombé complètement dans le vif sujet du harcèlement. Au début nous voulons faire une vidéo camp vs intello, mais à force de tourner ceci, on s'est rendu compte que finalement ça rejoignait le thème du harcèlement scolaire. Et donc, par exemple, on a eu des fous rires, on a eu beaucoup de fous rires. Et c'était un exercice difficile parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font du théâtre. Et donc, voilà, donc on a beaucoup rigolé. Aussi, on devait beaucoup travailler, écrire nos textes, et voilà. Donc, ça nous a pris pas mal de temps, mais on y a quand même réussi. Et ça donne un très beau résultat, moi, je trouve. Donc on espère que vous avez reçu ce message et que vous allez bien l'entendre et ne pas faire l'erreur de rendre victime le harcèlement. Alors donc c'est la fin de ce journal. Merci à Madame Bouget, notre professeure de français, de nous avoir accompagnés. Julien et Théophile, donc ce sont ceux qui nous ont prêté le matériel, les caméras et tout et tout. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Alors, donc j'appelle les caméramans, vous pouvez venir s'il vous plaît. Donc, on a... Et aussi les techniciens s'il vous plaît. Donc ici, pour le réalisateur, nous avons Hugo. Pour les caméramans, nous avons Jules, Maëwen et Lucas. Pour le son, nous avons Benjamin. Et pour la technique, pour les vidéos, nous avons Tristan. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.